Un bilan pour terminer, il concerne le marché immobilier en 2016. Les demandes de financement de prêts ont augmenté, vous le voyez, de 10%. Le nombre de primo-accédants de 9,2% avec des projets d'achat et de location en forte hausse même chez les ménages modestes parce qu'ils ont pu profiter de taux d'intérêt historiquement bas. Il y a des gens avec des revenus beaucoup plus modestes qui ont pu acquérir un logement en province et des logements relativement confortables avec des revenus très très modestes même. C'est dû au contexte, bien entendu, mais au contexte aussi des prêts bancaires, avec des taux exceptionnellement bas quand même en 2016.